ils ont foncé sur moi comme si c'était des rugbyman, quoi. Ils ont pas dit monsieur venez par ici, venez ceci, cela. Ils sont venus, ils ont foncé sur moi, ils ont chargé. Et ils m'ont fait clé d'étranglement, ils m'ont fait plaquage ventral, ils m'ont la totale. J'ai été en garde à vue, mais j'ai passé la nuit à l'hôpital. Parce que j'étais pas apte à rester dans une cellule. Comment ils m'ont amoché, quoi. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on peut mourir à tout moment. Mon frère est mort dans les mêmes conditions. Et là, chez moi, je me suis retrouvé dans cette position. Et ce qu'il faut dire, il y a eu la chance, il y avait les journalistes, il y avait des gens qui filmaient. Moi, mon frère, il n'a pas eu la chance que des gens puissent filmer. Donc, je vous laisse imaginer le calvaire qu'aurait pu subir mon frère sans les vidéos. Oui. Tous pour la même chose, pour la liberté, pour la démocratie, pour la justice et pour continuer à dénoncer les violences policières qui continuent de grandir de l'autre côté. Et on ne se laissera pas faire. Aujourd'hui, la France ne peut pas donner de leçons de morale à aucun autre pays. Aujourd'hui, sa police est raciste, sa police est violente.